Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver sur Gabon News. Bienvenue dans ce journal. Les titres. Libreville organise depuis ce matin la 12e session ordinaire de la CEMARC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. De nombreux chefs d'État ont répondu présents, notamment Teodoro Obiang-Nguema de la Guinée équatoriale et bien d'autres. Les détails dans ce journal. Je vous en parlais déjà en titre sur convention du président en exercice, le président de la République gabonaise, Son Excellence Ali Bongo Ondimba. La 12e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se tient à Libreville les 5 et 6 de ce mois. Plusieurs questions liées au fonctionnement de la communauté seront traitées au cours de cette session ordinaire, notamment la crise en République Centrafrique et l'instabilité créée par les groupes terroristes impactant négativement le bon fonctionnement de cette institution sous-régionale. Kenny Ongori, juste invité pour les détails. Les travaux de la 12e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale se tiennent comme prévu dans la capitale gabonaise. Une réunion des chefs d'État de la sous-région qui permettra d'évoquer les mots qui minent le bon fonctionnement de l'institution. Permettez-moi d'abord de vous réitérer combien le Gabon et l'ensemble des Gabonais se sentent honorés de vous recevoir. Votre présence à Libreville est l'illustration de la foi que vous inspire notre communauté. Elle témoigne de notre engagement pour les idéaux qui la sous-tendent, comme elle démontre votre disponibilité pour l'accomplissement de notre œuvre communautaire. Le besoin d'une communauté solidaire et efficace afin de mener des actions communes et d'asseoir un projet de sécurité et de défense conjoint reste un point non négligeable de ces assises. Nous devons redoubler d'efforts pour que nos réformes soient couronnées de succès sur le plan sécuritaire, économique et social. Au plan sécuritaire, la mise en place d'un mécanisme de sécurité et de défense commune s'avère indispensable en pareilles circonstances. La CEMAC doit parvenir à assurer la sécurité de ses populations. L'initiative du Tchad au Nord Cameroun est un excellent indicateur qui mérite les compliments de toute la communauté. Le sommet de Libreville sera une étape supplémentaire dans la poursuite des réformes des institutions et des organes de la dite communauté dans le renforcement de l'espace sous-régional. Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de président en exercice de la CEMAC, se félicite du soutien dont les institutions de la communauté ont accordé à sa présidence et vient ici jeter les bases d'une communauté unie pour la lutte contre les maux qui minent la sous-région. C'est ce matin, au palais du bord de mer, qu'ont été lancés les travaux de la 12e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Au nom des chefs d'État présents lors de cette grande messe, le président Teodoro Obiang-Nguema de la Guinée équatoriale, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Idriss Déby Itno du Tchad et des représentants des chefs d'État du Cameroun de la Centrafrique. Une occasion pour le président de la commission, Pierre Moussa, de revenir sur les questions de crise qui minent la sous-région. Marina Mendeman et Justin Bitégué. C'est le président de commission qui a inauguré les pourparlers de cette conférence. Il était question pour lui de revenir sur les potentiels problèmes que connaît la sous-région depuis belle lurette. En l'occurrence, le développement du terrorisme avec la menace de Boko Haram sur les populations du Cameroun, du Niger et du Tchad. Mais il est surtout revenu sur la question de la baisse du coût de baril du pétrole en Afrique centrale. L'Afrique centrale, et notamment la zone CEMAC, doit désormais de façon directe affronter la menace de Boko Haram. Ce groupe terroriste implacable et obscurantiste, l'ensemble de l'Afrique centrale est donc ciblé et menacé, et avec elle, l'attractivité qu'elle peut exercer sur l'investissement en général et l'investissement étranger en particulier. Le présent sommet, messieurs les chefs d'État, se tient à un moment marqué aussi par la baisse drastique du cours du baril du pétrole, qui a perdu environ 50% de sa valeur. La zone CEMAC est connue et reconnue pour son potentiel en hydrocarbures. La quasi-totalité des pays de cette configuration géographique en sont producteurs et c'est l'élément qui alimente substantiellement leur budget. Mais au-delà des problèmes que peut relever la sous-région, le président Pierre Moussa est revenu sur les points de réussite de cette partie du continent à travers le concept du libre-échange et d'un marché commun dans le secteur. Pour lui, l'unification des peuples est une arme redoutable, mais cela ne peut être une réalité que dans des États sécurisés.
Autre chose à présent, le comité technique provincial de la stratégie d'investissement humain du Gabon a été installé lundi dans la province de l'Ogooué-Maritime. Marie-Françoise Dikoumba, ministre déléguée de la prévoyance sociale, a installé le gouverneur de cette province à la tête de ce comité dont le rôle est de faciliter la mise en pratique de la politique d'investissement humain dans cette région. Le compte-rendu avec Georges Mexantoutoum et Refu Itoga. Lutter contre la pauvreté, le chômage et encourager la création d'activités génératrices de revenus, tel est l'objectif de la caravane d'installation des comités techniques provinciaux de la stratégie d'investissement humain lancée depuis quelques mois par le ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale. Ce lundi, Marie-Françoise Dikoumba, ministre déléguée à la Prévoyance sociale, a installé le comité directeur de la province de l'Ogooué-Maritime. Un comité présidé par Martin Bougui-Kouma, le gouverneur. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, professeur Damien Onan-Ondo, au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos fonctions le coordonnateur provincial de la stratégie d'investissement humain du Gabon pour la province de l'Ogooué-Maritime et vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions avec toutes mes félicitations. Le comité a pour mission de faciliter la mise en œuvre de la stratégie d'investissement humain. Il faut corriger la situation. Et c'est un mécanisme qui est novateur, qui est révolutionnaire. Il suffit de ça, donc que chacun d'entre nous puisse s'approprier la méthode pour que l'on puisse réellement aider le gouvernement à vite régler ce problème de la précarité qui est un problème sérieux. Cette mission, qui est à sa quatrième phase, s'inscrit dans l'engagement du chef de l'État à promouvoir l'auto-emploi. Restons toujours avec cette visite des coopératives après l'installation du comité technique provincial de la stratégie d'investissement humain de l'Ogooué-Maritime. Marie-Françoise Dikoumba, le ministre délégué à la prévoyance sociale, a parcouru les rues de la capitale économique pour rencontrer les responsables de certaines coopératives ainsi que les antennes de son ministère. Retrouvons une fois de plus nos reporters Refu Itoga et Georges Mexantoutoum. Halte Garderie de Massoukou et autres coopératives ont reçu la visite de la délégation conduite par Marie-Françoise Dikoumba, qu'accompagnait le maire de Port-Gentil et le gouverneur de l'Ogooué-Maritime. Nous sommes convaincus que nous passons désormais à la phase pratique parce que notre pays ne souffre pas de carence des dispositions en matière de social ou de développement durable du Gabon. Par contre, l'État devra compter sur des acteurs actifs pour mettre en œuvre cette politique sociale. L'État gabonais nous demande de nous mettre ensemble afin de bénéficier de l'apport financier, afin de rendre la femme gabonaise autonome. Et ce que j'ai retenu, et je crois, j'y crois, c'est que maintenant, les actions vont être faites. Le ministre délégué à la prévoyance sociale a remis un lot de matériel informatique au service provincial de la famille et au centre social. Cet outil informatique pour nécessiter des services. Service provincial de la famille. Avec plaisir, que je vous remets ce beau matériel neuf. Faites-en bon usage. Voilà. Ça vient ensuite de la dotation que vous avez déjà reçue. De la part de monsieur le gouverneur. Voilà. La visite s'est poursuivie mardi en matinée à l'orphelinat de Nchenge et dans une autre coopérative. Rien à voir avec ce qui précède, mais toujours dans la capitale économique, à Port-Gentil, la plage du quartier bord de mer est un véritable danger pour ceux qui la fréquentent et prennent plaisir à se baigner. Depuis de nombreuses années, on enregistre des noyades dans les eaux de cette plage et malgré ce fait, les jeunes continuent de s'y baigner naïvement, une situation qui n'enchante pas les pêcheurs. Marina Mundeman et Refu Itoga. Sur ce pont qui arpente le long de la plage, rien de mystérieux au premier regard. Mais les pêcheurs nous feront savoir que le pont n'est que l'arbre qui cache la forêt. En effet,
D'après de nombreux riverains, cette plage constituerait un véritable danger pour les enfants qui viennent se baigner. Qualifiée d'eau profonde, ces enfants oublient totalement les noyades enregistrées à ce jour. Il y a une maman qui est passée là, elle est venue. Elle a dit, elle a appelé la police pour que la police vienne chasser les mamans. Et quand on les chasse, ils ne veulent pas partir. C'est là où j'ai vu la maman venir, elle a garé, elle a appelé la police pour que la police vienne les chasser. Mais quand on les chasse, ils ne veulent pas partir. Il y a eu des morts ici, il y a des petits qui meurent, nous on les sauve parfois. Oui, quand il y a un noir, nous on se dépêche, on plonge, on les sauve. Voilà pourquoi on les empêche de nous plonger. Quand on voit parfois les enfants, on les chasse. Parce qu'ils risquent de noyade, nous qui sommes vendeurs du poisson. Voilà, ils peuvent arriver un jour, un corps. Cet endroit avait été interdit de toute fréquentation des riverains par les autorités de la mairie de la ville de Port-Gentil, mais cette règle semble n'intimider personne. Selon les pêcheurs, il leur arrive de repêcher au minimum 2 corps sans vie par semaine. Pour eux, c'est une situation inquiétante qui devrait interpeller les dirigeants à sécuriser les lieux par la présence des forces de sécurité. Voilà, c'est dans la capitale économique que prend fin ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur www.gabonews.com. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Allez, prenez soin de vous et à demain.